Bon, bonjour encore dans le trim, mes petits ficus. Donc, je vous représente ce projet-là, un projet ficus fusion. Donc, j'ai pris plusieurs boutures que j'avais, comme vous voyez ici. Donc, je ne sais pas combien j'en avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 boutures que j'ai mis ensemble. J'ai wrappé ça, ligature-là. J'ai repris différents troncs principaux, j'ai attaché ensemble, continué ici. J'ai fait des branches, estimé des branches, des positionnements de branches. Là, comme on voit ici, j'en ai qui ont sorti ici, qui ont poussé vraiment plus vite. Mon but, c'est juste de laisser pousser au début parce que je veux que ça fusionne. Pour que ça fusionne, il faut qu'il y ait de la photosynthèse, il faut qu'il y ait de la croissance. Donc, celle-là, cette grosse-là ici, c'est sûr qu'il est venu permettre de fusionner tout ça ensemble. Ça allait aider beaucoup. Donc, on voit quand même, malgré tout, c'est dans un tout petit pot. Donc, aujourd'hui, on trim. La fusion est faite. Donc, on voit, on va me rapprocher un petit peu. On va vous montrer ça ici. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux, puis de voir, analyser en même temps que moi, un petit peu mieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien pris. Tout partout. Pas esthétique, ça rentre dans le bois, mais c'est pas grave, c'est un esprit. Je préfère sacrifier des détails aussi qu'on voit où ce que la broche a mordu dans l'arbre. De toute façon, ça pousse tellement vite que ça va reprendre. J'aime mieux ça que d'avoir des tout petits arbres. Fait que de même, ça va permettre d'avoir un arbre plus gros, d'un ébéry assez gros à la base. Éventuellement, ça va tout remplir. Il faut juste le laisser aller. Donc, à tous les étés, ce que je vais faire, un coup qui va être en position, on va tailler ça avec vous ici, ça va ressembler à ça. On va tailler, descendre quelques branches, enlever les broches. Puis après ça, bien, on laisse pousser librement à tous les étés, dans le but de faire grossir le nébari. Donc, à tous les étés, on laisse en croissance libre. À l'automne, une fin d'été comme là, présentement, on taille en prévision de les rentrer à l'intérieur puis sauver de la place. Donc, ça fait moins de feuilles à terre, tout est plus facile. Donc, à l'intérieur, on essaie de minimiser parce qu'on est limité en espace. On n'a pas toutes des serres. J'ai pas de serre, j'en ai déjà eu une, trop chère à entretenir. Donc, j'aime mieux garder ça comme ça. Donc, je fais ça avec vous autres. Bon, ben, je vous présente mon petit fusion. Un coup taillé, on voit, il y a des cicatrices ici, ça va se remplir avec les années. Donc, c'est quand même pas pire. Un arbre de peut-être 2-3 ans. Les boutures toutes mises ensemble. Regardez, ça fait quand même, on a quand même la forme déjà. Vous voyez ce que ça a l'air. Ça va faire une belle grosse base. Pas dire de plus, là, j'ai commencé à faire des petites sélections de branches et élargir un petit peu, descendre ça. Donc, on va tailler les branches qui sont non nécessaires. Mais là, pour le moment, je vais laisser aller encore. On va laisser pousser. On va laisser aller, comme je disais, l'été prochain, une autre année complète. Toutes ces craques-là qu'on voit partout vont toutes disparaître. Ça va prendre un an ou deux, à peu près, puis c'est tout. Puis le reste, ben c'est pas mal ça. Si j'ai des bouts de feuilles ici qui vont... Parce que quand on a plusieurs troncs ensemble, puis qu'on coupe, puis qu'on enlève la tête complètement. Même s'il est fusionné, les arbres cherchent à vouloir émettre des nouvelles branches. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec les années, avec le temps, comme là ici, j'ai des bourgeons qui ressortent, là, sont tout petits. Mais avec le temps, je vais les prendre, puis je vais les replier à l'intérieur pour qu'ils sortent de l'autre côté. Donc, en poussant à l'intérieur, ils vont grossir, ils vont continuer à faire la photosynthèse, faire grossir la base, puis de l'autre côté, ils vont grossir, grossir, puis à un moment donné, ça va aider à remplir les trous. Donc,
éventuellement, ils vont être juste coupés de l'autre côté quand des trous vont être tout être remplis. Mais c'est mon but. Tranquillement, pas vite, je vais les prendre et les renvoyer à l'intérieur, un peu comme mon Frankenstein que je vous ai montré. Puis ça va faire grossir la base à l'intérieur. Donc, pour le moment, ça ressemble pas mal à ça. Donc, je vais faire un petit 360 pour vous montrer ça. Puis, c'était ma présentation du jour. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Questions, commentaires, peu importe. Ouais, un beau petit 360. Un petit peu de misère avec ma table. Les bearings sont rouillés. Ça fait partie de la game. Donc, c'était ma présentation pour ce petit ficus-là. Petit ficus fusion. J'en ai deux autres à vous montrer, dont un qui est encore pas mal plus gros que lui. Donc, à la prochaine vidéo. Salut!